Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ministre Travaux Publics, Transports et Communication, Nader Joiseus, fait une visite dans la centrale électrique d'Ouen, dans la commune Yankou, département de la Tibonite, mercredi 7 avril. Ministre Lant est venu garder l'état avancement travail et réhabilitation qu'a fait dans la centrale électrique d'Ouen. Richard Sonjourdain, Kevin Pierre, pour détail, on me suit. Travail et réhabilitation centrale électrique d'Ouen a avancé. Matériel électromécanique et puis tout Tibinio déjà installé. Pour qu'on y ait arrêté travail électrique. Technicien haïtien et étranger qui sous chantier a bay garanti et après mettre travail non moi mais cap venir là. La fin des travaux c'est pour disons si tout se passe bien pour la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Et ensuite le lancement de la phase de test. Cette relation centrale cap des possibilités pour le marché en parallèle, si vous voulez faire le marché en parallèle avec Gonaïve, la marché en parallèle avec Gonaïve. Si vous voulez faire le marché en parallèle avec la centrale de Saint-Marc, et Délugé, si Délugé est à réparer tout, la première possibilité pour le marché en parallèle. Même Jean tout, il doit marcher en îlotage. Là, ça, on va l'obliger de sectionner le réseau, c'est-à-dire que les lignes au départ, soit départ Gonaïve, départ Verrette, mais pour départ, il vient couvert et petite rivière. Bon, moi-même, dans le temps, peut-être, ça fait quelques temps, peut-être, il doit gagner d'autres barrières. C'est sûr, les gens vont gagner courant, donc ils vont augmenter. Demande, mais longtemps sont au début pour ligne, ça demande 1.2 MW pour ligne. D'accord? Avec donc une petite rivière Verrette et Liancourt, toute zone là, au début environ 1.2 MW. Là, par exemple, entre tout fait parallèle avec Saint-Marc, où on doit fournir toutes 3 MW sur Saint-Marc seulement. Vous comprenez? Comme ça, tout est si avec Gonaï, on doit fournir toutes 3 MW sur Gonaï seulement. Dans ce cas, l'autre va bien, car absorber. Vous comprenez? Dépendamment des modes d'exploitation choisis, soit au marché. En parallèle, soit au marché en îlotage. Une chose, sauf que nous avons une équipe italienne, une équipe italienne qui vient venir dans le cabinet. Et ces deux spécialistes de TTC, il y a bien pour finaliser les travaux électriques et peut-être faire mise en marche sans galère. Ministre BTC Anadir Joiseus, bat bravo pour gros avancé. Il dit qu'il fait dans le cadre de travail réhabilitation centrale électrique d'Ouéa, une centrale qui doit permettre plusieurs communes, dans bas, la Tibonite, bénéficier courant. Moi là pour moi avance mon travail parce que rivière bien longtemps a souffert Liancourt, Verrette et Saint-Marc et même Gonaïve et période là puis on va le venir comment pour nous exploiter au maximum et certainement on était gain longtemps et fin avril premier mai travail t'a fini jodi là yo di faut ba un petit espace encore c'est l'ONU, c'est exact et d'ici 15 mai à 20 mai il y a fini travail totalement. Et il y a mis les centrales en service et d'ici fin mois de mai et pour commencer à exploiter. Moi, je crois que Rivière Pays, qui a un gros monde dans le gouvernement, au moins fait nos attaques éliminées. Et oui, il y a plus de 3 ans. C'est gymnastique pour le grand courant. Liancourt et Verrette, c'est Mactou. Et même Gonaïve, pour ne pas souffrir, pas oublier ça, on va gagner gaz pour le mettre. Et son paquet éléments à gagner. De là, on va parler tout de. Je ne sais pas de centrale d'Ouéa qui c'est à l'eau pour faire le marché. Ministre BTC a fini virer ça dans la centrale électrique Saint-Marc là. Dans l'idée pour fournir, regarder comment elle a fonctionné et puis recevoir doléances avec informations dans mes employés et techniciens. Crise politique là, a des conséquences sur augmentation de kidnapping dans le pays, d'après co-directeur Défenseur Plus, là, Antonal Mortimer, qui critique l'autorité de la justice qui n'a jamais appliqué la loi qui condamne les kidnapping. Antonal Mortimer bat des détails sur la loi ça, qui prévoit plusieurs catégories de sanctions contre les gens qui ont pratiqué l'activité. Il demande aux autorités de l'État pour faire promotion de la loi sur le kidnapping là, pendant l'autorité de la justice n'a pas appliqué contre tout le monde qui est impliqué dans les actes là, dans le pays. Antonal Mortimer est un ami de Jocelyn Pierre avec Maxo Joseph. On écoute. Après, le gouvernement a fini de déteindre vite machine privée, ça a diminué. Ouais, non, commencement, mois de février, mois de mars, quantité chiffre nous avons gagné par rapport avec janvier, février, considérablement diminué en mois de mars.
Bon, faut nous dire dans fin mois de mars là, vinn gen on remonté, ouais, dans commencement mois d'avril. Même là nous pas gen chiffre pour première semaine mois d'avril là ou bien chiffre nous gen pour fin complet, nous pour comparer avec ça qui sorti en province, mais ça montrer par rapport avec des données nous te recevoir pour mois passé, gon diminution des questions ça. Mais nous-mêmes, ça me dit qui paraît contraste pour nous, c'est absence d'application en loi qui est important, question kidnapping, non, parce que question ça n'est pas nouveau dans la société. Ça va. Alors, il faut nous rappeler, en l'année 2000-2004, surtout, c'est pour la première fois que nous avons assisté avec une montée des kidnappings qui était inquiétant. Ça a été fait, organisation société civile, particulièrement organisation de la Mounio, qui font une grosse mobilisation. Diverses manifestations pour te forcer l'administration et la tortue Boniface adopter un décret, c'est en mai 2005, et qui était bien deux articles. Il y en a deux qui modifiaient l'article 293 code pénal, et le Parlement a vu monter en 2006. À partir de 2009, le Parlement a adopté une loi qui pile qui a cinq articles là-dedans, et article 2 il dit si toutefois il y a un monde qui condamné de kidnapping, yo doué bali est entre 15 à 25 ans de prison et de travaux forcés. Et on dit si kidnapping n'a fait avec zam, li fait sous un petit monde, yo capable de vivre jusqu'à 50 ans de prison. Et si kidnapping n'a gon équipe monde qui associé là-dedans, ça veut dire monde qui bail caille, monde qui aider bail machine, conduit machine, qui veiller monde qui otage, yo yo capable condamner monde à perpétuité. Et loi ça j'aime dire là pour moi même son gros document, un document assez important. Alors me dit gros en termes de importance document pour ta combattre forme criminalité ça qui pour nous mêmes comme défenseurs de monde sont forme de traite monde, sont forme de commerce monde. Leur kidnapper un monde ou séquestrer ou serrer et proprement des famines l'argent a fait prix monde, c'est comme si c'était un cabrit, c'est comme si c'était une machine ou t'es serré. Donc pour nous mêmes sont forme de traite monde que la société doit régner avec lui. Et pour ça nous pensons autorité gouvernementale doit faire connaître la loi, faire promotion pour la loi, la justice doit appliquer la loi et exécutif là doit exécuter toute ça la justice et toute décision la justice prend contre un monde ou bien un groupe monde qui t'a impliqué dans le kidnapping. Et loi depuis là vous dit gagner punition pour monde qui ouais qui kidnapping yo pas dénoncer gagner des punitions pour la police ouais si yo informé dans cas de kidnapping yo pas agi. Donc moi encourager et auditoire et téléspectateurs et téléspectatrices yo même yo à lire ça et m'encourager toute autorité à mettre en application la police à la justice particulièrement. Et puis c'est intéressant qu'ils font campagne d'information et de sensibilisation sur loi, ça qui est capable de décourager des potentiels kidnappeurs ou bien de l'autre monde qui a complice ou bien qui a fait même auto-kidnapper. L'autre point, dans l'édition nouvelle là, mais toujours dans le même dossier, si là, kidnapping, non, c'est une activité criminelle, d'après directrice commission épiscopale justice à Clapea, Jocelyne Colanoël, qui souligne l'existence d'une loi qui était votée, qui condamnait Zaxila en Haïti. Jocelyne Colanoël demande aux autorités l'État pour prendre disposition pour résoudre le problème ça, qui déjà fait un pile monde souffrir dans le pays. Jocelyne Colanoël, t'es dans le micro Jocelyn Pierre avec Maxo Joseph. En écoute. Si ça la paix, nous pas de chiffres sur quantité cas moun qui victime kidnapping, mais nous tendez et problème non. Donc nous suivons tout en pile et témoignage moun qui a plaidé sur situation et de plus en plus gagné de cas qui viennent qui plus grave passé l'autre. Donc dans différents secteurs en de société a gagné moun qui victime à kidnapping et obligé payer l'argent ou bien bail l'argent pour être capable libérer. Donc c'est un problème qui vraiment mettait tout le monde, t'as capable de dire tout le monde était chargé avec lui. Et c'est une situation qui, j'aime dire tout à l'heure, son kidnapping, non, c'est un crime
parce que il y a une loi qui te prend en 2009 pour te capable criminaliser Zak et kidnapping yo, mais jusqu'à maintenant pas aucun kidnapper yo arrêté, pas aucun, en tout cas pour ça qu'a passé dans dernier temps ça yo pas gagné moun yo arrêté, donc pour yo dit c'était dans Zak kidnapping yo arrêté jugé yo condamné yo. Donc c'est pour dire comment et situation li vraiment grave, li vraiment lamentable population, donc nous croyons que yo besoin vigilant, nous besoin vigilant, nous besoin et quand même contrôler sorti nous, contrôler rentrer nous, contrôler et entourage nous, donc quand même nous besoin sous garde nous par rapport avec problème et kidnapping là, et tout si toutefois nous victimes, donc et même si nous pas senti autorité yo a agi dans sens et intérêt population dans sens pour combattre phénomène kidnapping, non, mais de toute façon c'est institution l'état yo qui là, c'est la police qui là, c'est la justice, c'est porter plainte, c'est dénoncer et Zak et kidnapping nous subi, donc pas kembe bagay sa yo pour nous-mêmes, et c'est porter plainte, c'est baïdoléance nous pour que quand même un jour capable de gagner une réponse sérieuse qui est portée avec question ça. Et par rapport avec moun yo même qui cap mener activité ça. Nous croyons que moun sa yo cap mener activité ça yo besoin songer yo c'est haïtien, yo gen parents, yo gen famille, yo gen madame, yo gen petite. Donc activité ça son activité criminelle liée, donc c'est pas une activité moun qui gen bon sens, moun qui respecte moun qui respecte propre tête yo, qui respecte famille yo, ta dwe livrer tête yo la donné. Donc nous même nous croyons que nous encourager moun qui a fait activité kidnapping yo, donc pour eux même yo garder tête yo, yo garder famille yo, yo garder madame yo, yo garder petite yo, donc pour dire si c'est à eux même, c'est à madame yo, c'est à petite yo, c'est à famille yo qui ta victime on zak comme ça, comment yo t'a senti yo, et nous espérer que yo va réfléchir et yo va voir que pratique ça, c'est pas une pratique pour continuer là-dedans. Et la justice, tout, nous quoi la justice, besoin lever tête les tout, li besoin prendre disposition pour capable gagner bon genre enquête qui mène sous Zak et kidnapping yo, et puis pour rendre justice avec mon qui victime yo, et comme ça doit. On cherchait connaît sous avant-projet Constitution, selon une émission qui démarrait mardi 6 avril 2021. Dans la première émission, Guichard Doré fait un grand plan sur quelques aspects clés dans avant-projet Constitution, tant que proposition pour gagner un vice-président qui élit ensemble le président, l'idée pour gagner une seule chambre dans le Parlement, à créer définition, règlement sur nationalité en Haïti. Ensuite. Le comité et consultatif indépendant mis en place par le décret du 28 octobre proposait notre travail l'IA et pour répondre à trois grandes préoccupations. Première préoccupation, normalement ça a été demandé et dans le décret, c'est consolider et renforcer le socle des droits fondamentaux. La mobilisation optimale de toutes les ressources humaines, CCI, notre travail l'IA, nous obligé de redéfinir les règles sur la nationalité. Parce que nous connaissons un peu le monde dans la diaspora, pour raison pour une autre qui vient d'autres nationalités, pour texte qui ont été là pour raison pour une autre depuis 1986, nous avons été capté un peu là dans les affaires du pays. Au niveau de l'appareil et du pouvoir exécutif, il demandait que pour gagner, pas un premier ministre, un vice-président. Un vice-président qui a été élu en même moment avec le président, qui lui-même l'a choisi, qui a pu aller et lui-même le avec. Alors ça a un avantage en termes de sécurisation du mandat. Si on a un président qui a destitué, ou bien a mouru, ou bien a démissionné, ou bien obligé à faire élection encore, vice-président tout remplacer lui pour restant l'IRETA. Là, donc un vice-président permet de sécuriser le mandat. Et ça même permet de maintenir le calendrier électoral. Pour qui ça? Parce que toute élection, d'après CCI toujours, proposée pour toute élection faite en seul temps. Pour nous
harmoniser temps électoral là. Pour pas plusieurs élections qu'a fait non mandat au président ou bien non mandat non législature. Donc toute élection a fait en seul temps, donc puisque on va gagner un vice-président, il permet tout sécuriser le mandat ou bien un calendrier électoral qui plus ou moins à temps régulier. On parle de harmonisation de tous les mandats à 5 ans. Ouais, du mandat c'est 5 ans. Tout mandat honnête il y a 5 ans. Et président, Kazek, et magistrat, et parlementaire, etc. Tout le monde conserve un mandat pour 5 ans. Ça permet que pour permettre de nous fonctionner ensemble. Qui pensez que pour venir avec un système et une élection seul tour. Donc on est jamais dégainé là. Donc, et mettez une élection à deux tours. Donc ça, il y a un avantage. Un avantage, d'abord, un avantage financier. Pour les partis et compris pour l'État, qui a financé les partis politiques. Mais deuxième temps, ils permettent aux partis à faire à l'Assemblée pour venir dans l'offre électorale. Et là encore, des dispositions sont prévues dans les textes pour les partis qui arrivent au moins qui fait 10%, il y a remboursé au bâtonnet, ça dépend du mécanisme qui a exilé, il y a remboursé au fait électoral. Donc, CCI proposé dans le document pour nous passer au Parlement en seule chambre, monocaméral. Je dis non, bon système bicaméral, les proposer pour venir avec un système monocaméral. C'est vraiment bâton pédéré, non des pigeons, identification nationale, on peut voter. Tout le monde qui dit qu'il n'y a pas de l'élection, cap toute la pression. Nous-mêmes, nous coûtons moins, cap dit nous que pas de l'élection. Élection a fait, le référendum a fait pour la constitution 27 juin. Et si nous ne pas voter, référendum nous chirer. Deux journées forum ça a déroulé sous le patronage bureau première dame république. Sous ce renforcement leadership FAMIO. Martine Moïse fait remarquer dans la nouvelle constitution. Participation FAMIO dans l'espace politique là a passé de 30 à 50%. Une opportunité, FAMIO t'a dû saisir. Activité ça a déroulé en présence de deux membres KEPA et puis représentant comité consultatif indépendant pour élaborer projet nouvelle constitution. Ouzlo Obou, à la tête mouvement Femmes pour développement grandance, te profite remettre plaque honneur mérite par une série femmes qui marquent présence yo dans département grandance là. Ministre Kilti à communication, Pradel Henriques a déposé mercredi 7 avril 2021 un jeb dans pied estati Toussaint l'ouverture sous champ de mars dans l'occasion 218e anniversaire en mort pour Kissé indépendance là. La même occasion qui c'est 38e anniversaire musée Panthéon national haïtien Mipana, ministre Kilti à communication, Pradel Henriques qui était gagné directeur général Mipana, Jean-Claude Legagnier déposé l'autre jeb dans Mipana pour un hommage à héros l'indépendance là tout son ouverture. Rachel Saint-Fort et Damius Théodore pour un contre-indit. En Suisse. Dans l'occasion du 118e anniversaire en mode qui s'est indépendance lente ou sans ouverture, ministre Kilti à communication Pradel Henriques déposé un jet dans pièce statue et où l'indépendance lente sous place Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture, selon un pile historien, l'État mourut en 1740.
gen l'autre qui dit li mouri en 1743. Donc ou gen au moins deux dates connues de naissance Toussaint Louverture. Mais ça qui est sûr, c'est que li mouri 7 avril 1803, donc pratiquement à 60 ans, dans certains cas 63 ans, li mouri en France. Et c'est ça Dakar est vraiment un héros. Là, regardez vie Toussaint Louverture côté le sorti et côté le sorti comme petit esclave pour le venir dans l'histoire, non, dans l'histoire d'Haïti, un général, un gros général qui gouverne dans toute gros l'armée qu'on connaît, l'armée espagnole, l'armée anglaise, l'armée française. Et bien Toussaint c'est ça Dakar, un monument. C'est tous faut ne pas oublier ça, un héros que nous gagnons qui puis vénérer dans le monde, hein, de Toussaint Louverture, presque tout le monde parlait de lui. Et sous-prend par exemple, déjà en Haïti, où il y a tout gros historien, Madiou, Ardouin, et tout historien contemporain, il est passionné par Toussaint Louverture. Mais dans le monde, où il y a, sous-prend 19e siècle seulement, où il y a Lamartine, tout gros écrivain français au 19e siècle, Théodore Toussaint. Et Lamartine d'ailleurs considérait Toussaint comme une nation. Dans la même occasion, qui c'est 38e anniversaire Musée Panthéon National Haïtien, ministre Kilti à communication Pradel Henri Kes, qui était gagné avec le directeur général Mipana, visiter l'espace ça, côté lui déposer un jet de fleurs pour rendre hommage à Toussaint Louverture. C'est un génie, cet homme de Breda qui est né au du Cap dans le Nord. Et qui pral gen tout parcours ça, qui finalement te gen trois petites, dont yon ni te adopté, et puis l'autre yon Isaac et Placide. Et donc c'est homme ça, c'est valeur ça, dans la société nous avons besoin de monde qui gagne tout ce parcours. Et la vie pas de belle pour lui. D'ailleurs, regarde comment il finit la vie, il est mort dans la souffrance, il est mort dans la solitude. Il mourit dans l'isolement, il mourit dans le cachot, il mourit dans la prison. Et zone quand on est tous mourir à son côté. Le froid seulement, le frédia seulement, compte pour raser tout le zoo. Et c'est ça. Il te connaît après tout ça le fait pour payer. Et c'est comme ça le mourir. Donc je dis, nous pana est fier pour que l'essence qui coïncide avec arriver reste tout sain dans le pays. Hein. Ça a été fait en 83. Et en 84, moi, j'ai eu la chance de commémorer le premier anniversaire, ça, pour m'être là. Et dans l'époque contemporaine, il faut me donner un pile hommage quand même qui en a tous en 2003. Et 7 avril 2003, c'était la campagne de restitution qui lançait. C'est vrai que pour l'histoire, ça fait à peine 15-16 ans qu'on paquet de bagaille. Je dis encore trop bonheur pour nous dire. Et mais moi-même tout, j'ai encore une fois chance d'être là en tant que directeur au ministère de la Culture à l'époque, le 7 avril 2003. Hein? Et donc pour moi-même, et sous aujourd'hui, moi là, sous aujourd'hui mon DG qui là, c'est parce que Toussaint mérite, c'est parce que nous avons une responsabilité pour nous assumer par rapport à l'histoire, par rapport à la mémoire en cette chose, par rapport à personnage ça qui c'est Sandra Karele, le précurseur de l'indépendance. Et qui bat ou quelque part des salines lui-même, qui parle le père de notre indépendance. Dès que vous ouvrez bien pour l'humanité, vous avez un paquet d'ennemis en face comme bataille. Donc, je souhaite Mipana bonne fête. Et c'est en même temps l'entrée des restes de Toussaint Louverture au Panthéon. Nous sommes fiers de ça. Mais important pour honorer le mémoire pour que nous gassons ça, pour Saint-Louverture, qui va vivre pour liberté de l'Aïe dans le pays d'Haïti. C'est un modèle liberté, égalité, ministre qui dit à communication, invitez chez nous, cherchez connaître l'histoire de la vie Toussaint, parce qu'elle est capable d'inspirer la vie païe. Rappeler tout le monde que jeudi c'est 7 avril 2021 et 7 avril 1803 c'est des dates qui sont assez importantes dans l'histoire pays d'Haïti. 7 avril 1803 c'est date côté nous connaît monsieur Sacré Toussaint Louverture là monsieur ça qui était l'ouvrier
et qui te mette le premier wash dans la bataille pour nous faire un pays qui est Haïti aujourd'hui. Et bien, rappelez-nous que M. Sa, aujourd'hui, 7 avril 2021, ça fait plus passer 219 l'année, et plus ça c'est 218 l'année depuis que M. Sa lui-même est mort. Il m'a rappelé que tout ça l'ouverture qui était faite. Nous avons parlé dans le département nord et mon ennemi qui devait embrasser et monsieur ça côté il fait passer pour ça le jour d'hier là ministre culture avec communication lui-même lui présent sur place tout Saint Louverture en place qui trouvait dans le temps façade principale palais national avec la cour cassation n'a pas besoin de crier au mort là dans occasion ça. Jeudi à la, nous avons nos ministres qui ont la communication, Pradel Henriques qui devine rendre hommage bien mérité et au fond foral. Monsieur le ministre, matin là au présent pour rendre hommage à Précussion Indépendance. Dis-moi motivation, dis-moi avec qui sentiment et nous venons faire geste ça, nous connaissons date ça dans l'histoire du pays d'Haïti, son date qui est assez important. Ben, en effet, nous avons salué tous les téléspectateurs, tout le monde qui attend de nous, tout le monde qui est sur la radio ou sur les réseaux sociaux, nous rappeler. Pays, hein, rappelez nation que aujourd'hui c'est 7 avril 2021. 7 avril 2021, c'est ça nous a carrélé un gros jour dans l'histoire d'Haïti. Un jour extrêmement important. Et parce que au 7 avril, même j'ai aujourd'hui, hein, c'était en 1803, nous avons un héros qui aurait les Toussaint l'ouverture qui mourit dans la prison l'ITIE, côté où il était déporté en France. Et donc de 1803 à aujourd'hui, ça fait 218 ans hein, depuis l'événement ça a été passé. Donc c'est jour Lambo, on a célébré aujourd'hui en Lambo et c'est pas n'importe Lambo. Et du coup, on a dit président paysan, hein, son excellence Jovenel Moïse, il a demandé nous en tant que ministre culture et communication et qui là pour veiller sur jour historique ça yo, sur patrimoine nous, sur patrimoine culturel, sur patrimoine paysan, sous ancêtres nous tout, pour nous venir exercer ça nous les devoirs de mémoire ça. Donc ce que nous venons faire là son devoir de mémoire, ça veut dire un devoir nous gagner pour nous pas oublier joie. Une obligation pour nous pas oublier joie. Et donc, le président a demandé nous pour nous venir rendre tout ça l'ouverture, héros ça, et hommage ça, pour nous venir faire nation songer que je dis en ce jour ça a été mort. Et il faut nous rappeler que tout ça l'ouverture, selon un pile historien, il a mort en 1740, il y a l'autre qui dit qu'il est mort en 1743. Donc, il y a au moins deux dates connues de naissance tout ça l'ouverture. Mais ce qui est sûr, c'est que il est mort 7 avril. 1803, donc pratiquement à 60 ans, dans certains cas 63 ans, lui en France. Et c'est ça Dakar est vraiment un héros. L'on regarde vie Toussaint l'ouverture, côté le sorti, et côté le sorti comme petit esclave pour le venir dans l'histoire, non, dans l'histoire d'Haïti, un général, un gros général qui gouverne dans toute gros l'armée qu'on connaît, l'armée espagnole, l'armée anglaise, l'armée française. Et bien tout ça, c'est ça dans la carrière, un monument. C'est tous, il ne faut pas oublier ça, il y a un héros qui est vénéré dans le monde. Hein? De tout ça, l'ouverture, presque tout le monde parlait de lui. Et Souprend par exemple, déjà en Haïti, où il y a tout gros historien, Madjou, Ardouin. Et tout historien contemporain, ils ont persuadé par tout ça l'ouverture. Mais dans le monde, où il y a, sous le 19e siècle seulement, on a Lamartine, tout gros écrivain français au 19e siècle, honoré tout ça.
Et Lamartine, d'ailleurs, considérait Toussaint comme une nation. C'est une nation, Toussaint, à lui tout seul. Et Hugo, dans une roman, lui figurait Toussaint. Et donc, du coup, vous gagnez ça, il y a un mythe, une légende, et Toussaint l'ouverture, que Wendell Philippe, qui sont l'autre historien, est considéré comme un. Peut-être général qui est plus important même que Napoléon. Hein? Dieu seul sait que Napoléon, c'est ce général français qui était le premier des Blancs et Toussaint, à part dans le commentaire au TAP 10, c'est le précurseur de l'indépendance, lui-même était le premier des Noirs. Et donc, ce précurseur de l'indépendance, Toussaint l'ouverture aujourd'hui en ce jour, ça a été mouru. On est capable de dire que c'est important pour honorer mémoire ou comme ça, parce que on a regardé parcours, on a regardé. Le général qu'il était, le chef qu'il était, et Toussaint, comme on a parlé de constitution, c'est le père de notre constitution, c'est notre première constitution, celle de 1801, c'est lui qui était bon, nous, doté pays à donc constitution, et côté, et pas oublier, il y a une plus grosse ambition, c'était rendre pays libre et égal. En 1793, Toussaint l'ouverture dit, je suis Toussaint l'ouverture, je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Donc, alors, imaginons, nous sommes au XVIIIe siècle, en plein régime d'esclavage, en plein violence sur notamment le noir, les Noirs, toute les traite négrière et toute richesse qui fait dans le pays, notamment en Europe. Et au monde de Louis XIV et dit que toute richesse que royaume n'y gagnait, n'y gagnait grâce à Saint-Domingue. Et donc, pas oublier Saint-Domingue, c'était un lieu par excellence d'esclavage. Et Toussaint l'ouverture, t'es gagné la prétention, et comme de fait il fait, d'abolir l'esclavage. Il l'a fait, comme de fait aussi, il partit jusqu'en République dominicaine, où il a tenté, il a fait abolir l'esclavage. Et on côté en République dominicaine, je dis en voisin, nous, Toussaint l'ouverture, c'est ça nous a parlé au monde qui mettait base développement, qui définit premier réseau routier dans le pays ça, qui mettait l'ordre, qui mettait l'ordre d'ailleurs sur toute île là. Et c'était un grand homme parce que non seulement, nous avons dit c'est précurseur de l'indépendance, c'est précurseur de toute abolition, esclavage fait sous terre, parce que Toussaint rêve, c'était non seulement le fin de rétablir l'esclavage dans l'île là, et même sous prendre même les États-Unis, je dis à qui gagne indépendance sur et qui sont un gros pays, un gros nation, un gros peuple, ben, tout ça en ouverture, sauver les États-Unis dans une grosse guerre avec la France, hein, parce que lui-même, tout travail qu'il fait dans la colonie là, Dakadi, lui défait tout projet que Napoléon a gagné de régner en Amérique. Et s'il n'y avait pas Toussaint, peut-être que comme Chardou, il dit si les Ricains n'étaient pas là, et ben c'est la même chose, s'il n'y avait pas Toussaint, peut-être que les États-Unis étaient capables de ne pas s'allier là. Donc c'est un grand homme, il était important de l'honorer ce matin en tant que ministre de la Culture, comme moi dit, et nous faire les jeudis en tout, c'est aussi l'anniversaire du musée du Panthéon National. Femdou qui a au niveau contemporain. Il y a un peu d'hommage que Ron Toussaint, déjà à partir des années 80, et où régnait le régime des Duvaliers, qui était fait venir de France les restes de Toussaint l'ouverture. Donc Toussaint mourut en 1803, et ses restes sont arrivés dans son pays en 1983, et des années après, et en 83, justement, pour coïncider avec la naissance du musée, du Panthéon, qui est ce lieu de tous les dieux, de tous nos ancêtres. Et donc tout ça, c'est là. Et après, il fit régner en France, lui régner tout dans le Panthéon Pali, dans le Panthéon National, Mipana. Et anniversaire Mipana, justement, c'est jeudi. Hein. Et mon cher Simon, tu es un jour, pas oublié. Bon, coïncidence extraordinaire, c'est que j'étais là, j'ai 20 ans. J'étais à la cérémonie, le reste est arrivé. Et je dis, j'ai 56 ans, c'est moi qui l'ai, au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, au nom de tous les ministres, au nom du chef de l'État, pour nous
exercer le devoir de mémoire ça pour un grand homme, cette nation qu'on appelle Toussaint Louverture, pour ce héros imbattable. Il y a un pile contradiction dans la ville Toussaint, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est Toussaint Louverture et que grâce à lui, peut-être que on peut avoir des Salines, peut-être que on peut avoir Christophe. Et c'est dommage et que le son héros ça qui était pour nous, je dis, hein, en pile fois, ça nous fait nous dévier, nous dévoyer, c'est ce qu'on appelle des voyous. Et mon voyou, a souvent, nous ne pas même compte qui ça le dit. Un voyou, ce n'est pas seulement un vagabond, un monde qui a vu roche dans la rue. Un voyou, c'est un monde qui dévoyé, ligne normale, qui tracé pour lui. Nous avons nos ancêtres qui nous ont laissé ça comme héritage. Nous avons tous ceux qui s'est battu pour une nation. Et de fait, Toussaint nous a laissé une nation et Dessalines a confirmé cette nation le 1er janvier 1804. Nous avons dévoyé tout plan que héros nous ont quitté pour nous. Nous quittons toute route là. C'est ce qu'on appelle un voyou. C'est-à-dire que nous quittons voie normale là. Voie que ancêtres nous quittent pour nous tracer, pour nous traiter la donne, pour nous faire un pays qui gagne progrès, pour nous faire un pays qui gagne liberté, pour nous faire un pays qui gagne égalité. Et puis je dis à qui ça nous fait. Nous, yon, n'a pas casé l'autre. Nous, yon, n'a pas détruit l'autre. Mais c'est extraordinaire aussi pour comprendre. La crise de nous, je dis, hein, il coïncide déjà. Si on apprend une vie et nous, ça, tout ça et de ça, on va comprendre côté nous sortis. Nous sortis dans la même crise, dans la façon tout ça trahit lui-même pour ouvrir la France. L'année 1802 a été une année extraordinaire pour tout ça. D'ailleurs, il subit une expédition française qui était extrêmement puissante. Il y a près de 70 vaisseaux puissants qui sont en Europe. Où il y a près de 60 000 soldats et très équipés qui vivaient. Et puis, qui ont voulu rétablir l'esclavage. Parce que Toussaint avait tenté d'abolir l'esclavage, justement. Et donc, du coup, Toussaint sera trahi. Et en juin 1802, hein, trahi, nous le savons. Souvent par ses lieutenants, comme exactement le fait jeudi hein, au 21e siècle, et puis il est déporté en France, et c'est là qu'il a voyé dans un cachot, dans une prison, hein, et c'est là qu'il a mouru dans une maladie qui est l'apoplexie, qui c'est ancêtre ou synonyme presque de maladie, je dis, une maladie cardiovasculaire, et sans particulier dans le cerveau, et puis voilà, ils font crise, et puis ils mourent. Donc, il mourut tout de maladie poumon, mais l'homme est resté un génie, comme moi dis, l'homme est resté un modèle d'égalité, un modèle de liberté, hein? Un modèle d'homme que nous tous qui l'a dans la société, un petit monde nous a besoin qu'on ait, qui ça Toussaint est, parce que l'on dit Toussaint seulement, si vous répétez, vous fermez les yeux au moment où on dit Toussaint, et vous sentez, c'est la liberté. Merci beaucoup. Avec l'histoire pays d'Haïti, sorti depuis les moteurs à lui-même, les télés qui ce qu'il y a, indiens ou de là-dedans, et arrivé jusqu'à aujourd'hui, là, quand on a parlé de pays sacré d'Haïti, donc London Musée pour l'international, c'est toute l'histoire. On va regarder toute sa histoire avec notre pays, avec Zilia, et je dis à son double événement, le mot tout seul de voiture. Nous avons tous l'ouverture, qui est 218 l'année, et puis création ou bien fondation
musée Pompéo National et pays d'Haïti. Donc jodi a la ministre Tia l'el sorti non il fait déposer Jean Flebron hommage à et Patrick Gasson sa grand général ça qui était relé tout Saint-Louverture il rendu tout de suite après même musée Pompéo National pour capable de déposer l'autre Jean Flebron qui coïncidait avec date la mort et où l'indépendance ça général ça il a son visite ensemble avec le directeur général et musée Pompéo National là et côté là nous sommes capables de voir et statue ou bien bus et où l'indépendance là nous avons gardé Christophe et Alexandre Zabes Pétion donc là son visite beaucoup d'espace espace ça qui est le musée Pompéo National là le temps que nous sommes arrivés dans la galerie des chefs d'État ici nous arrivons là dans la partie côté qui rassemble puis fort pièce ou mes œuvres qui ont rapport avec et pays d'Haïti donc la ministre accompagné de directeur général là nous font tout là j'ai été signalé là nous vivons là nous gardons plus fort dans ces âmes monsieur dame la main dit j'aime nous qu'on utilise et là mais ministre je dis à son double événement la mort tout c'est l'ouverture c'est anniversaire musée Panthéon National dans pays d'Haïti et au sortir hommage là à et au indépendance je encore une fois on est là dans le musée pour venir faire devoir de mémoire ça rappeler nous que bon côté nous ca venir connait qui ça c'était histoire nous sorti dans qu'est-ce qui de l'indé les qu'est-ce qui a pour arriver dans bout de sacré les pays d'Haïti a dit mes sentiments je dis à alors comme moi t'a dit tout à l'heure et président Jovenel Moïse lui mandé nous bonne fête ça n'est les devoirs de mémoire ça soit n'a fait là et Mipana c'est un lieu de mémoire c'est lieu qui rassemble mémoire ça OK Mipana c'est unique musée on t'a dit presque unique musée national nous gagne c'est ça manqué d'unique musée nous gagne tout court ce qui aurait été très grave mais et seul privilège que je suis capable de dire que je suis fier, c'est qu'en 83, j'ai 19 ans. Je me suis dit déjà, et j'ai une chance que je suis entré ici. Hein. Ce n'est pas en 83, c'est en 84, j'ai 20 ans. Donc c'est le premier anniversaire à Riverest Toussaint, justement. J'étais en continu, à 20 ans, j'ai élève lycée Pétion en ligne. Là. Donc moi-même, si je suis entré tête dans tout ça, je suis capable de dire que c'est un privilège de l'histoire que j'ai gagné. Et même j'aime toujours dit et dès que nous avons une responsabilité dans le pays, tant que Haïti est tout pays, c'est pour remplir, ou pour remplir avec fierté, ou pour remplir avec dignité. Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, hein, le sens des responsabilités. Il dit des gens qui ont un job, qui touchent, qui ne peuvent pas faire job, des gens qui n'ont aucune discipline, des gens qui n'ont aucune ordre. Hein, et si vous regardez bien, ça nous gagne dans la société. C'est échéance, toute valeur ça a. Et puis, regardez l'homme tout saint, c'est la Kali, c'est l'homme en lui-même rassemblé toute valeur ça a. On pas qu'on est sous son gélote et petit, mais tout saint est chétif, il était maigre, il était ceci, et puis il travaille quoi lui, et puis il vient tout le monde important. Et puis tout saint est fils d'esclave, il travaille, et puis il vient tout le monde général, un gros général. Tout saint, tu vois, tout ça était tel bagage. Et pour elle, vient un grand homme. Et Lamartine, honoré comme une nation. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est la discipline qui fait. C'est la sagesse aussi. Pas oublier, tout ça, c'est l'un des plus grands diplomates de tous les temps que nous avons. Un héros qui réussit à jouer dans les grandes cours, qui jouait par rapport à son maître. Qui jouait par rapport aux esclaves, par rapport aux insurgés, par rapport à la révolution du Bois Caïman, qui jouait par rapport aux armées anglaises, aux armées espagnoles, aux armées françaises, qui jouait par rapport à Bonaparte. Hein? C'est vraiment, ça n'a qu'à relever, ça m'a frémi. C'est un génie, cet homme de Breda qui naît au du Cap dans le Nord
et qui pral gen tout parcours ça, qui finalement te gen trois petites dont yon ite adopté et puis l'autre yon Isaac et Placide. Et donc c'est homme ça, c'est valeur ça dans la société. Nous avons besoin de monde qui gagne tout ce parcours. Et la vie pas de belle pour lui. D'ailleurs, regarde comment il finit la vie. Il est mort dans la souffrance, il est mort dans la solitude. Hein, il est mort dans l'isolement, il est mort dans le cachot, il est mort dans la prison. Et zone côté où tout s'est mort à son côté. Le froid seulement, le frédia seulement, compte pour raser tout le zoo. Et c'est ça. Il te connaît après tout ça le fait pour payer. Et c'est comme ça le mort. Donc, je dis, hein, nous pas là, et fier pour que. Mais sans qui coïncider avec l'arrivée reste tout sain dans le pays. Hein. Ça a été fait en 83 et en 84, moi, j'ai eu la chance de commémorer le premier anniversaire. Ça, pour m'être là. Et dans l'époque contemporaine, il faut me donner un pile hommage quand même qui a tout sain en 2003. Et 7 avril 2003, c'était la campagne de restitution qui lançait. C'est vrai que pour l'histoire, ça fait à peine 15-16 ans qu'on paquet de bagaille. Je dis encore trop bonheur pour nous dire. Mais moi-même tout, j'ai encore une fois chance d'être là en tant que directeur au ministère de la Culture à l'époque, le 7 avril 2003. Hein? Et donc pour moi-même, et sous aujourd'hui, moi là, sous aujourd'hui, on DG qui là, c'est parce que Toussaint mérite, c'est parce que nous avons une responsabilité pour nous assumer par rapport à l'histoire, par rapport à la mémoire en cette chose, par rapport à personnage ça qui c'est Sandra Karele, le précurseur de l'indépendance. Et qui bat ou quelque part des salines lui-même, qui parle le père de notre indépendance. Donc, c'est important pour nous. En ce sens, moi, uni, moi, à le gouvernement, moi, uni, à toute ministre, moi, uni, nous tout, à chef d'État qui demandait le boum là, pour nous dire, DG, nous pas à bonne fête, pour nous dire, tout employé, lui, au bonne fête, et pas oublier tout, moi, son ancien DG ici, là. On a un job, pas facile. Même j'aime DG TNH, j'ai eu la chance étrange d'être DG de plusieurs institutions culturelles, Radio Nationale, Télévision Nationale, Musée Panthéon National. Période où dérivé, hein, c'était une catastrophe. Moi, arrivé ici hein, comme DG Mipana après presque un an d'abandon. Le bâtiment était abandonné pendant un an. À peu près, j'en arrivé là, c'est avec différence, où t'es un AI. Il y a toujours un AI au Mipana. Il était toujours en crise. C'est extraordinaire ce pays. Tout bagaille est toujours une crise. Et puis toute crise pour nous-mêmes, nous toujours comprendre au nouveau. Tandis que toute crise est ancienne. Ce que Toussaint a vécu en 1802, c'est exactement ce qu'il a vécu là, en 2021. La trahison de Toussaint. L'année noire de Toussaint, 1802. C'est lui qui a vécu là. Ce que Dessalines va vivre. Hein? Mais je dis, ça permet de dire que dans le devoir de mémoire nous gagnons, et à partir de l'idéal, tout héros ça qui gagne, est-ce que je dis, c'est pas beaucoup plus pour nous motiver chaque acteur, beaucoup plus par le devoir de mémoire ça, pour nous faire comprendre que voilà, nous sommes sortis de tel côté, et si nous arrivons à passer dans cette étape, c'est à partir de l'idéologie, vision et idéal que héros ça qui gagne. Question, vous posez, vous répondez. Mais moi, je parle de l'inverse là. Ce que nous constatons depuis 15-20 ans qu'a fait dans le pays, hein, c'est que nous prenons le devoir de mémoire là, nous faisons le devant d'air. Par contre, si nous avons un cahier dans la main, nous avons une plume, nous avons un livre à étudier, c'est devant d'air, livre la tête en bas. Christophe dit, je ne remettrai cette ville que lorsqu'elle sera réduite en cendres, et même sur ces cendres, je vous combattrai. Je vous dis à nous comprendre que Nous avons toujours une armée expéditionnaire française en face nous. Et puis nous toujours à boumer à propre tête nous. Nous toujours à boumer à tout le monde. Nous toujours à boumer. Il n'y a plus d'armée française aujourd'hui. Il n'y a plus d'armée de Leclerc aujourd'hui. Hein? Armée nous gagne pour une bataille contre eux. C'est justement ça dit. C'est contre des bagailles morales. C'est contre la traîtrise, la trahison. C'est contre la violence justement. C'est contre l'esclavage, parce que tout ça montre nous que l'esclavage est d'abord mental, il est en tête nous. Monsieur Bocoté le dit, je suis né libre. Alors, quel message est-ce qu'a apporté l'assurance pour le disparu de l'État? Mais je dis, alors il faut me rappeler, je dis pas seulement journée Toussaint, ni fête, ni panache, je dis c'est journée aussi mondiale de la santé.
faut me rappeler nous ça. Et que j'étais là l'année dernière, dans le contexte de Covid qui était fait lancer à l'époque, que c'était en mars, et puis là nous venons le 7 avril, ça a fait un mois. Et Haïti, jusqu'à présent, scientifique, beaucoup de gens me disent nous, qui a donné sens nous par rapport à la question Covid là. Et nous avons toujours besoin de protéger la tête, nous, mettre dans le garde-robe, nous, l'idée qu'on a un masque. Ok? Donc, ça, c'est un premier conseil pour nous continuer, Dimounio. Et toujours continuer à protéger la tête, nous, quel que soit ça qui est naturel qui a protégé nous. Ok? Donc, conseil là, c'est Jean-M. Dab essayé de dire tout à l'heure. C'est Jean-M. Dab dit, jeunes, et même nous-mêmes comme journalistes, prends un petit temps, lis la vie tout ça. Un petit temps, il a vu tout ça. Quand puis l'historien qui écrit sous lui, il a écrit ou chance pour aujourd'hui à Google, à part les livres, ou dit tout ça l'ouverture seulement et pour absent ou libérer. C'est l'homme traversé nous à travers le temps, à travers l'histoire. Il traversé nous même. Et Jean était l'homme qu'il était, si nous prenons temps, parce que la lecture c'est ça aussi, habiter. Se faire habiter par ça nous lien, se faire habiter par mémoire, ça fait habiter par souvenir ça, mais habiter par récit, récit de l'homme. Dans pile monde qui écrit sur Toussaint, et il y en a monde justement qui écrit sur Toussaint, il est Aimé Césaire. Aimé Césaire qui sont gros poète antillais, il écrit un livre qui est La tragédie du roi Christophe, il écrit l'autre livre qui est de côté de l'hommage à Christophe cette fois, il écrit tout cahier de retour au pays natal. Donc c'est un grand poète français. Toussaint, comme on dit, Toussaint, c'est comme tous les grands hommes. Hein? D'ailleurs, du même côté, il n'a pas présenté Toussaint comme haïtien, non? Il dit son franco-haïtien. Pas oublier depuis l'important, il n'est pas haïtien encore. Parce que tout ça qui bon, il n'est pas pour nous. Mais nous fiers de cette dimension de l'universalité de l'homme. Et c'était sa vie même, l'homme universel, l'homme qui a su dans toutes les langues, faire la guerre. L'homme qui fait presque une vingtaine de gros batailles. Et puis, regarde comment il est mort. Donc, leçon, c'est ça. Leçon, c'est suivre les traces de Toussaint. Sa sagesse, son cerveau qui a bougé, son humilité, sa dimension, sa diplomatie. Et puis aussi, quelque part, son vœu de liberté et d'indépendance, son vœu d'égalité. L'homme, c'était déjà cet homme qui voulait que nous toutes, qu'il a nous semblé, nous égal. Déjà, je ne sais pas. Ajouté, après ministre, tout cette ouverture est devenu un homme universel. À travers l'Europe maintenant, on érige des statues de tout cette ouverture, hein, dans plusieurs pays. Et le nouveau musée qu'on a fait à Washington, c'est le musée de l'histoire noire, Smithsonian. Il y a une statue de Toussaint Louverture dès qu'on arrive au musée qu'on voit. Donc ça veut dire que l'homme a atteint une dimension extraordinaire, universelle. Et il ne fait nul doute que tout le monde, même par exemple quand on arrive aux États-Unis, on va regarder tous les Américains noirs, ils réclament Toussaint Louverture pour eux comme héros. Ce que nous, il y a plus intéressé dans le personnage que même le municipal. Bah, chaque fois, je suis aux États-Unis après ça, parce que c'est pourquoi ils m'ont invité à exposer les visages de la liberté. Pas vrai? Parce... Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous étions branchés. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Non? Et... toujours songez pour activer la cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.